Have you ever wondered whether your digital identity is really safe? Your digital identity is made up of codes, numbers, letters, keys, passwords that eventually end up being forgotten or even stolen. What if the solution was at your fingertips? Only one technology guarantees that you and only you control your data, the blockchain. Years of research have enabled us to build a truly decentralized network, accessible from anywhere on Earth, while putting every human at the heart of its technology. This network is autonomous and automated, geographically distributed around the world, and designed to withstand natural disasters through its artificial intelligence. It is faster, more secure, more eco-friendly than any other. Let's enter a new era, the Internet of Trust. With Uniris, you can access this new world with the tip of your finger. Our crypto-biometric technology uses your finger's unique network of veins to provide the first ever tamper-proof identification that doesn't store any data. This trust revolution opens the door to a new and infinite generation of use cases. Every day, we exchange with the whole of humanity. People from around the world can develop a new generation of applications and services in this new open source ecosystem. Encrypt your emails, secure the sharing of your medical record, access your home or your car, take a loan, protect your privacy. Our blockchain is replacing every trusted third party to provide a real internet of trust. With a simple touch of your finger, generate the one and only keychain to unlock, protect, and access whatever you like, instantly and risk-free. So, ready to take back control? Et salut à tous! Salut Julien! Bonsoir! Salut Sylvain! Bon, ben bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour cette AMA. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de discuter avec la communauté et donner quelques nouvelles. Donc, merci pour votre participation. Le live sera disponible sur YouTube hein, après diffusion et sera aussi disponible sous-titré en anglais. Donc, ce soir, Julien, on va discuter un petit peu d'évoquer l'écosystème DeFi qu'on est en train de mettre en place à travers un bridge et un DEX, un échange décentralisé. Qu'on a développé donc nous-mêmes et en parallèle de l'évolution de la blockchain et d'ailleurs blockchain que je rappelle qui est disponible en mainnet depuis un an et demi à peu près. Donc ce soir, cet AMA va nous permettre de fournir quelques informations. Donc on va vous parler du bridge, on va vous parler du DEX, on va essayer de vous apporter des informations sur toute la partie développement, le test, la partie stratégie aussi et puis on va parler aussi du déploiement de cet écosystème. À la fin, comme d'habitude, on répondra à quelques questions qui seront posées dans le chat ou qui ont pu être posées sur les réseaux, sur Telegram ou sur Discord. Et puis, n'hésitez pas à envoyer donc, des questions dans le chat au fur et à mesure. À noter que nous évoquerons les questions plutôt orientées écosystème DeFi. Et on en parlera un petit peu plus tard, mais on aura l'occasion avec Sébastien de répondre aussi dans quelques temps à vos questions plus générales au niveau de le futur d'Arketic, l'organisation. Les autres questions que vous pouvez poser par rapport aux autres produits aussi. On est parti, Julien, du coup ? T'es OK ? Allez, c'est parti. Eh bien, on va attaquer par le bridge. Donc, le bridge, alors on a déjà, Julien, tu avais déjà présenté il y a quelques mois maintenant, la vidéo est d'ailleurs disponible sur YouTube, le bridge bidirectionnel qu'on appelle le Two Ways. Donc, on avait présenté un petit peu comment il fonctionnait d'un point de vue fonctionnel et puis on avait fait aussi une démonstration du produit. Avant ce Two Ways, on a développé, on avait mis en place l'année dernière, en début d'année, on avait mis un monodirectionnel, c'est-à-dire que vous pouviez envoyer vos Yuko à partir des blockchains Ethereum, Polygon et BSC sur la blockchain Arketic, mais vous ne pouviez pas aller dans le sens contraire, ressortir de l'écosystème Arketic. Donc, c'est le but du bidirectionnel, c'est de pouvoir justement transférer les tokens des blockchains EVM à la blockchain Arketic. Par rapport à ce One Way, il a été coupé il y a quelques semaines, parce qu'on a besoin, enfin quelques jours, pardon, quelques jours, on avait besoin de synchroniser certaines choses, etc. Donc ça nous a emmené à devoir couper le One Way. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est une petite parenthèse, c'est que les gens qui voulaient refund et qui n'ont pas pu avant la fermeture du One Way,
On les invite en fait à contacter sur les réseaux nos modérateurs, donc sur, Discord et Telegram. Et ils contactent donc les modérateurs qui les aideront à trouver des solutions pour pouvoir prendre de leurs tokens. Donc Julien, je ne sais pas si tu peux, par rapport justement au Bridge to Way qui sera mis en place très bientôt, si tu veux nous parler un petit peu des tokens qui pourront être échangés. Ouais. Alors l'idée, c'était toujours de mettre la sécurité en avant. Dès qu'on veut faire quelque chose, qu'on soit sûr que ce soit un maximum sécurisé. Donc c'est pour ça qu'on avait, alors je pourrais vous référer au live qu'on avait fait sur l'explication du bridge, de son fonctionnement, où on avait parlé, évoqué le safety module, qui est une première étape de sécurité. Et pour ajouter de la sécurité, on va commencer le bridge avec uniquement quelques tokens. Donc on aura le Yuko qui sera disponible à bridge donc dans les deux sens depuis Ethereum, Polygon et la Binance Smart Chain. Et pour les autres tokens, on aura seulement en premier de l'Ethereum qui sera disponible uniquement sur Polygon. C'est-à-dire que ce sera du wrap Ether qui est dispo sur Polygon qui pourra être bridgé dans les deux sens. Alors pourquoi Polygon ? Parce que c'est l'une des blockchains aujourd'hui où les utilisateurs, on va dire, d'Arketic sont assez souvent dessus et où les frais sont assez faibles. Parce que si on avait commencé par Ethereum, il y aurait eu beaucoup de problèmes de frais parce qu'Ethereum, ça coûte très cher, surtout qu'avec le bull run qui a commencé depuis peu de temps, les frais explosent et maintenant ça coûte très cher de faire n'importe quelle action sur Ethereum. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur Polygon au début. Et on va progressivement ajouter de nouveaux tokens, à commencer par un stablecoin. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de quel stablecoin on va proposer au début, puisqu'il y a, avec la régulation MiCA, il y a quand même quelques sujets qui portent à réflexion. Donc on vous en dira plus. Pour l'instant, le sujet est toujours en cours de réflexion. Et voilà, et après, on apportera aussi d'autres tokens et on ira sur Ethereum, BSC, pourquoi pas d'autres blockchains par la suite. Très clair, merci Julien. Du coup, bon, si vous avez des questions sur le bridge, vous pouvez les poser. Vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, vous référer à la vidéo qui a été faite il y a quelques mois sur YouTube. Elle reste toujours d'actualité. Et on en reparlera un petit peu plus tard aussi. C'est que le bridge aussi, si vous voulez un petit peu regarder comment c'est fait, vous pouvez tout à fait vous connecter au testnet qui on vous donnera les éléments pour vous connecter. À noter qu'il y a quand même pas mal de monde qui a pu l'essayer dans le cadre de la campagne Zili, pour ceux qui ont suivi un petit peu cette campagne. On va basculer sur le point de la soirée qui est le DEX, l'échange décentralisé. Donc, du coup, aujourd'hui, on a développé un DEX donc nous-mêmes basé dans un premier temps sur un modèle qu'on a trouvé, enfin qui est assez simple mais qui est robuste, qui est basé sur Uniswap V2. Et comme incentive, on va mettre en place une pool de farming qui va fournir en fait des Yuko donc en reward. Mais je vais laisser Julien prendre la parole sur le sujet du coup pour vous donner un petit peu la globalité des éléments. Ouais, donc en fait l'idée du DEX c'était effectivement de lancer quelque chose, on va dire, de simple dès le début, pour pas faire trop de complexité, parce que le but c'est d'avoir une première place où on peut échanger des tokens et de pouvoir le sortir dans des délais convenables. Plus on complexifie la chose, plus ça aurait retardé la sortie du DEX. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le modèle Uniswap V2 qui plus est assez robuste, donc on n'a pas de questions à se poser si est-ce que ça aurait bien marché, contrairement au dernier, le V3 ou le V4 qui potentiellement va sortir bientôt. Du coup, les pools, comment ça va se passer ? Le principal problème qu'on a aujourd'hui avec le Yuko, c'est qu'on a très peu de liquidités. Et c'est d'ailleurs ça qui nous bloque l'accès à de plus gros échanges centralisés, parce que pour être listé sur des échanges centralisés, il faut de la liquidité et du volume, ce que malheureusement, on n'a pas aujourd'hui sur n'importe quelle blockchain. Il n'y a que, je crois, 100 000 $ de liquidité sur les trois blockchains Ether, Polygon et BSC, ce qui est concrètement pas suffisant pour être listé sur des échanges plus conséquents. Donc pour ça, on a imaginé un système de fees qui va nous permettre de continuellement ajouter et d'accroître la liquidité dans le DEX qu'on va lancer. Donc on a le fee classique pour les liquidity providers qui est de 0,25%. Et ensuite, il y a un autre fee
qui va être dirigé vers des wallets appartenant à Arketik. Et ces wallets vont être utilisés pour réalimenter là où les pools de liquidité pour que la liquidité continue d'augmenter. Sachant que ces fees qui vont être redirigées vers des wallets d'Arketik vont être dégressifs. Plus la liquidité augmente, moins ce fee sera conséquent. Je crois qu'on va commencer à 0,25% pour retomber jusqu'à 0,10%. Donc, ce mécanisme-là va permettre, au fur et à mesure que le volume augmente, d'augmenter aussi la liquidité et donc d'avoir un accès potentiellement plus rapide à des échanges centralisés et de réduire tout ce qui est slippage, price impact sur chaque échange que vous allez potentiellement faire. Je me permets de te couper un instant, excuse-moi. Les informations qu'on donne du coup à l'oral donc, sont disponibles sur YouTube juste après en rediffusion. Et puis, on va aussi vous mettre à disposition les éléments par écrit dans un article qui va résumer tout ça aussi. Parce que peut-être que ça va un peu vite, du coup, pour peut-être les moins initiés. Donc, voilà, vous pourrez trouver tous les éléments juste après. C'est un blog qui devrait sortir d'ici peu. Du coup, pour lancer, donc effectivement, les tokens qui vont être disponibles sur le DEX au lancement, ce seront les tokens qui seront aussi disponibles sur le bridge. Et donc, au lancement, vu que le bridge ne listera que le WETR depuis Polygon, et ben, on n'aura que l'AETR comme token dispo sur le DEX. Alors, c'est token, on va dire, ce qu'on appelle token vérifié, c'est les tokens que nous, Arketik, on désigne comme étant des tokens, on va dire, fiables. Par contre, n'importe qui pourrait créer des pools avec des tokens qu'il aurait créés ou des projets qui lanceraient leurs tokens qui pourraient le lister sur le DEX. Donc à l'origine, ce qu'on va faire nous pour initier la pool, on va apporter à minima 100 000 $ de liquidité pour commencer la pool. Et ensuite, on va lancer la farm. Alors, à quoi sert la farm ? Pour pouvoir inciter les gens à fournir de la liquidité, à apporter de la liquidité dans le DEX, il leur faut effectivement des incentives. Et tout simplement, la farm, c'est ce qui va permettre de rémunérer les personnes qui vont ajouter de la liquidité, les liquidity providers. Et donc, on aura une farm qu'on va ouvrir et qui va rémunérer sur les deux premiers mois après le lancement du bridge, 2,5 millions d'UCO. Donc, je rappelle que dans les tokenomics, on a 9 millions de UCO qui sont alloués chaque année pour des rewards de stacking farming. Et donc, du coup, on va avoir 2,5 millions sur les deux premiers mois. Et pourquoi on a choisi 2,5 millions sur les deux premiers mois ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient un petit peu inquiètes sur le fait qu'il y aurait de l'impermanent loss. La permanent loss, rapidement, en fait, c'est vous avez un manque à gagner en apportant de la liquidité dans une pool de liquidité de type DEX. Si le prix d'un des deux tokens augmente beaucoup par rapport à l'autre, comparé à si vous avez simplement gardé les tokens unitairement sans les ajouter dans la liquidité. Et donc, en fait, dans nos calculs, on a pris en compte l'impact de l'impermanent loss. On a aussi voulu prendre en compte le fait que les rewards qui vont être distribués dans les pools de farming, si toutes les personnes revendaient directement leur UCO, ça ferait évidemment baisser le prix du UCO. Donc on a aussi pris ça en compte dans les calculs pour limiter l'impact de la vente de ces UCO qui seraient issus du farming, pour pas que le prix chute à zéro. Et donc 2,5 millions d'UCO sur les deux premiers mois, c'était assez intéressant et ça permet de fournir quand même un APR qui est assez intéressant. Alors l'APR, c'est vraiment des estimations, parce qu'en fonction de la liquidité, du prix, si ça monte, si ça descend, c'est très compliqué à observer, mais on est entre les 60 et 300% à peu près sur des estimations qui partent sur le fait que le prix du UCO ne bouge pas trop. Donc ça reste des APR qui sont très intéressants. Sachant que l'objectif qu'on a, nous, c'est d'arriver à 1 million de liquidités dans la pool. Donc, on a fait nos calculs en se basant sur le fait qu'on arriverait à 1 million de liquidités. Il faut que ce soit intéressant jusqu'à 1 million de liquidités. Et ensuite, ce sera potentiellement toujours aussi intéressant, même si la liquidité augmente. Je crois qu'on a fait le tour sur le début du DEX. Oui, aussi, la farm. Donc, je disais qu'il y avait 9 millions d'UCO qui étaient disponibles par an. Donc, on aura 2,5 sur les deux premiers mois. Et les 6,5 millions restants seront distribués
Sur le reste de l'année, sur les 10 mois restants. On n'a pas encore les chiffres exacts parce qu'en fonction de l'évolution de la liquidité et du prix du Yuko, peut-être que 6,5 millions, c'est peut-être un peu trop. Il ne faudrait pas qu'on distribue trop pour qu'il n'y ait pas trop justement de Yuko qui soit libéré et que le prix du Yuko chute. Bon. Voilà. Je crois que pour le DEX, on n'est pas trop mal. S'il manque des choses, je pense qu'il y aura des questions. Ouais. Du coup, merci. Au niveau, justement, donc là, c'était un petit peu donc, tous les éléments de calcul et les éléments de stratégie. Au niveau du développement, au niveau de la situation, donc concernant le bridge, je vais repasser sur le bridge bidirectionnel, le two-ways. Les smart contracts sont OK. Le front, il y a encore des petits ajustements du X, mais globalement, les process fonctionnent. Alors, il y a une contrainte, on en a bien conscience, mais il y a une contrainte d'expérience utilisateur qui fait qu'aujourd'hui, il faut un PC et se connecter au wallet en version desktop, c'est-à-dire en version Linux, Windows ou Mac. On est en train de travailler sur la partie extension Chrome. Donc, du coup, ça va être aussi beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Je n'ai pas de date parce qu'il y a une petite partie de recherche sur cette partie-là. On n'est pas comme un wallet EVM qu'on duplique, enfin, avec lequel on a des références. C'est toujours le sujet quand on fait de l'innovation comme ce que fait Arketic. Côté DEX, pareil, les smart contrats sont développés, ont démontré que ça fonctionnait. Le front aussi, il y a quelques coups de tournevis qui sont en train d'être faits. Ça date d'aujourd'hui. Alors, j'avais un petit peu communiqué sur Telegram là-dessus, mais on a aujourd'hui connecté le DEX directement dans le wallet mobile. Donc, ça, vous pourrez accéder, parce que les contraintes étaient les mêmes que celles évoquées pour le bridge, c'est-à-dire qu'il fallait être sur un PC et utiliser le DEX avec le wallet desktop, mais on a mis en place la communication, et merci beaucoup à Charlie qui a travaillé activement sur le sujet. On a mis l'interopérabilité entre le DEX et le wallet. D'ailleurs, je vais faire une petite démo comme ça, parce que j'aime bien à chaque fois venir avec des petites choses à vous montrer. Je vais dire bonjour à Alex qui est aux manettes. Et Alex, est-ce que tu peux, s'il te plaît, je vais partager mon écran. Je vais tenter de partager mon écran. Je suis en cours de partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Bon, alors, c'est une petite vidéo qui a été réalisée avec mon téléphone tout à l'heure. Alors, ça reste un prototype. On voit qu'il y a un accès DEX sur le menu, mais qui sera sûrement ailleurs. Mais pour l'instant, en tout cas, on a la capacité donc d'appeler directement dans le wallet le DEX. Bon, il y a des petites choses, vous allez voir, des petites choses qui sont à régler au niveau du graphisme, certaines choses comme ça. Voilà, donc on retrouve le formulaire. Alors d'abord, oui, c'est vrai que je suis allé d'abord sur la liste des pools. Donc là, on peut voir qu'on est sur les pools vérifiés. Et on peut voir les différentes informations. Donc ça, rien d'exceptionnel, parce que de toute façon, ce n'est que de l'affichage à ce niveau-là. Mais par exemple, là, je suis en train de faire un swap de Yuko vers de l'AEther. Voilà, je vais mettre... donc il y a le clavier de mon ami iPhone. Je transfère, je swap. Bon, il y a les différents calculs qui se font avec les smart contracts. Je confirme, ça calcule. Alors, vous pouvez voir à l'écran qu'effectivement, il y a des petits réglages à faire. Là, c'est le wallet, on confirme la transaction de swap. On attend 4-5 secondes. On est au niveau du testnet là. Et après, le swap est réalisé. Et là aussi, vous allez voir, il y a des petits soucis d'affichage. Mais comme je vous dis, c'est tout frais. Ça date de fin de journée. Donc, du coup, on va s'atteler pour vous fournir une solution adapté pour le mobile au sein du wallet. Comme ça facilitera l'expérience utilisateur beaucoup plus qu'avoir effectivement ça sur desktop. J'arrête le partage, Alex, du coup. J'en profite aussi, donc, du coup, pour vous parler. Oui, donc, on a fait DEX, on a fait la partie bridge, et ça a nécessité, on s'est rendu compte au fur et à mesure, que ça nécessitait une innovation sur la blockchain. Alors, Julien, tu peux peut-être nous en parler un petit peu de cette innovation qu'on appelait nom de code AUP21 sur la gestion de la concurrence.
Alors, l'IP21, c'était le gros sujet, surtout ce début d'année, parce qu'effectivement, la particularité qu'il y a chez Arketik, c'est qu'on n'est pas une blockchain à proprement parler, mais une transaction chain. Pour comprendre bien la différence, je vais expliquer rapidement comment fonctionne une blockchain pour valider les transactions. Quand sur une blockchain, on veut valider les transactions, on va regrouper un certain nombre de transactions au sein d'un même bloc. Au sein de ce bloc-là, les transactions sont finalement calculées, exécutées les unes après les autres. Souvent, c'est par ordre, elles sont triées par ordre de frais. Celui qui paye plus cher sera le premier à être traité, etc. Et les blocs sont ensuite validés les uns après les autres. Mais ce qui fait qu'on n'a jamais d'exécution ou de calcul de transactions qui sont faites en parallèle. Tout est fait séquentiellement. Alors, il y a certaines blockchains qui améliorent et qui arrivent à faire un peu plus de parallélisme pour améliorer la scalabilité, etc. Mais ça reste toujours assez séquentiel. Sur Arketik, en fait, on n'a pas de système de blocs et toutes les transactions peuvent être validées en parallèle. Et là où, en fait, on a rencontré des soucis dus à ces problèmes de concurrence où des transactions sont validées en même temps, c'est quand deux transactions venaient modifier la balance d'un même compte ou d'une même chaîne, que ce soit dépenser des Yuko ou des tokens ou alors en rajouter. Et donc l'AIP21 finalement vient corriger les problèmes qu'il y avait et permettre de pouvoir valider des transactions qui viennent modifier un même compte en même temps sans qu'il y ait de problème ou qu'il y ait de perte de token ou quoi que ce soit. Donc c'est une innovation qui est assez importante puisque ça fait partie intégrante du modèle de la transaction chain et c'est ce qui permet du coup d'avoir une scalabilité théoriquement infini, bon, en réalité les ressources sont toujours limitées, mais la scalabilité du coup est linéaire avec le nombre de nœuds puisque tout peut être validé en parallèle. Plus il y a de nœuds, plus on peut valider en parallèle. Et la IP21 contribue à ce que tout fonctionne correctement. Donc cette innovation a été quand même longue à tester puisque vous doutez bien que ça marche jamais du premier coup. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps à tester. Et là on arrive vraiment à la fin. Sur le testnet, on est assez confiant. On a pu rencontrer de gros problèmes majeurs sur les derniers jours. Donc, on est vraiment sur une phase finale de test, ce qui me permet de vous dire que le bridge et le DEX qui sont dépendants de cette innovation, de cette AUIP, seront disponibles avant la fin du mois d'avril sur le mainnet. C'est une certitude. Voilà. Donc effectivement, juste avant de basculer sur la partie planning et mise en œuvre, je voulais terminer sur, effectivement, on a donc fait évoluer notre blockchain pour effectivement avoir des outils qui une meilleure efficience de nos outils. Et puis ça nous a permis aussi de continuer de travailler sur les autres produits. Typiquement pour les smart contracts, on a utilisé notre Playground. Alors je vais partager autre chose d'ailleurs. On a utilisé donc notre outil AE Playground pour pouvoir écrire les smart contracts. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'entièreté du bridge et du DEX, que ce soit la partie front, donc la partie utilisateur et la partie sont entièrement sur la blockchain, en fait, via notre solution AE Hosting. Donc, on est vraiment aussi, on profite naturellement de nos propres solutions pour les améliorer, pour les tester. Donc, des fois, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut effectivement... Tiens, Alex, je partage mon écran. Il faut aussi tester dans différentes conditions et ça nous renforce effectivement sur la puissance de ce qu'on met en œuvre. Donc, on est plutôt assez content. Juste, il y a dans notre site internet arketik.net, on a rajouté récemment, dès la première page, en dessous du white paper et du technical paper, qui ont d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, qui ont lu peut-être les anciens, ils ont été retravaillés. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Et juste en dessous, on a un petit pavé avec les différents accès aux différentes applications qui sont le Bridge, le Wallet, l'Explorer qui a un peu évolué récemment avec l'AIP21 justement, AESwap qui est le produit de DEX, AEHosting qui est l'hébergement décentralisé de sites web et le Playground pour pouvoir faire des smart contracts. J'en profite pour dire, il y a eu beaucoup de discussions, mais ce n'est pas le but de cette AMA, on en reparlera, mais à Hosting, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que c'était ce qu'on appelait des sites statiques et il y a eu un problème de compréhension. Vous pouvez voir que le Bridge et le DEX sont deux outils qui ont quand même de l'intelligence, qui peuvent être assez complexes et qui peuvent tourner complètement sur une blockchain. Donc, ce n'est pas que de l'affichage de choses avec des images et du texte. Ça peut être des applications de gestion. Il faut juste les aborder de manière un petit peu différente
avec la blockchain, c'est pas forcément de la, c'est pas de la base de données derrière. Du coup, on est vraiment dans ce passage du Web 2 au Web 3 de manière à 100%. Donc là, c'était la petite parenthèse sur la partie développement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, hein, vous trouverez toutes les informations qui vont bien. On va faire un petit focus sur les tests. Donc, il y a eu pas mal de tests qui ont été déjà réalisés en interne. Il y a eu la campagne Zili pour ceux qui ont participé fin d'année dernière, début d'année, qui a permis aussi à beaucoup de gens d'utiliser, qui était plus ou moins loin d'ailleurs du projet. Donc, c'est toujours bien d'avoir ou des cultures différentes, des âges différents, des utilisateurs différents. Donc, c'était assez, c'était bien pour pouvoir avoir différents retours. Et puis, il y a eu les retours de la communauté. D'ailleurs, dans la liste des gens qui sont là ce soir, il y a des gens qui nous ont aidés largement à tester, à nous faire des retours très détaillés. D'ailleurs, je remercie vraiment tout le monde. Et je remercie même un peu, de manière spéciale, Ripcord Chain, qui est une star de nos réseaux par son expertise. Fabrice, Tristan, Manu aussi. Et, bon, je vais pas faire... je vais dire quand même son pseudo, je vais le tenter. Amphiraficulé, raté. Voilà, merci Manu et puis à Hervé aussi. Donc voilà, donc il y a vraiment des gens qui nous ont fait des... Et ça, c'est important, et je fais une petite parenthèse là-dessus aussi. Nous envoyer un message en disant « ça ne marche pas, ok, ça ne marche pas sur le testnet, on l'entend. » Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus constructif et on a plus de résultats quand les gens nous expliquent un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'ils ont rencontré. Est-ce que c'est un bouton qui ne marche pas, une fonction qui ne marche pas, qu'est-ce qui s'est passé, avoir un peu le contexte, quel outil, PC vous utilisez, etc. C'est toujours mieux que juste nous dire ça ne marche pas. Bon, après, voilà. Donc, merci pour ceux qui nous aident à avancer de manière qualitative là-dessus. On en vient à la question que tout le monde se pose et attend, c'est la stratégie de lancement et le démarrage de l'écosystème. Alors, on n'a jamais été aussi proche du démarrage, voilà, mais on ne va peut-être pas rester que là-dessus. Effectivement, comme tu as dit, Julien, on va démarrer le mois prochain. En fait, il nous reste encore quelques vérifications à faire pour être 100% sûr que vous, utilisateurs, vous soyez en fait dans les meilleures conditions d'utilisation de l'écosystème. On n'est même pas sur un problème de fonctionnement, on a un problème sur la personne qui veut aller sur l'écosystème DeFi archétique. Il ne nous donnera pas deux chances, il nous donnera une seule chance. Donc, il faut que quand il arrive, ça fonctionne. Et quand je dis que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il comprenne ce qu'il y a à faire, que ça soit très accessible, très simple d'utilisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en revient aux extensions Chrome et dans le WAT aussi. Pas besoin de. Voilà, on veut simplifier cet usage-là. Donc, on a encore des réglages à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissaient sur le fait de dire oui, fin Q1. On privilégie quelques jours supplémentaires pour justement offrir le meilleur produit possible, en tout cas comme nous on l'espère. Justement, par rapport à ce démarrage, ça va se faire en plusieurs étapes, Julien, surtout par rapport au DEX, je te laisse si tu veux parler un petit peu de la stratégie. Ouais, donc effectivement, comme disait Sylvain, le but, c'est que quand les gens vont arriver sur cet écosystème naissant, ils arrivent et que ce soit tout de suite confortable pour eux à utiliser, que ça soit similaire à ce qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser, et surtout que ça marche. Parce qu'il y a deux familles d'utilisateurs qui vont arriver sur l'écosystème. Il y a ceux qui connaissent déjà Archétype, donc vous qui êtes probablement en train de regarder le live ou qui nous suivez depuis un certain temps, et des personnes qui vont découvrir l'écosystème depuis des annonces marketing, etc. Et cette deuxième famille de personnes, il faut que quand elles arrivent, ça marche du premier coup. Parce qu'une personne qui vient, et s'il y a des problèmes, ou que c'est un petit peu lent, que les transactions sont refusées, ou peu importe la raison, elle va juste partir et jamais revenir. Alors que vous, vous êtes au courant des développements, ça fait plusieurs temps qu'il y a, s'il y a quelques petites ajustations, s'il y a quelques ajustements de fin de dernière minute, ça vous dérangera moins parce que vous êtes déjà au courant de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que le lancement sera séparé en deux phases. Une première phase de soft launch où il n'y aura pas un marketing agressif. Ce sera plutôt une période où on va lancer tout ça sur le mainnet et vous serez au courant. Il y aura des articles de blog, il y aura des annonces sur Twitter, mais il n'y aura pas forcément de partenaire international avec énormément de marketing. Pour une première période, le temps de peaufiner un petit peu les derniers détails.
Et c'est aussi une manière de vous remercier parce que moins il y aura de monde qui sera arrivé dès le début, plus en fait les rewards que vous aurez à travers la farm seront importants. Effectivement, plus il y a de liquidité, moins il y aura de rewards. Donc, c'est pour remercier aussi un petit peu vous qui nous suivez depuis un certain temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les partenaires internationaux aujourd'hui, ils ont été activés, mais ils sont en attente. C'est-à-dire que parce que je crois que tu n'as pas tout à fait modulé. Comme j'avais passé à la partie hard launch après. Ah ok, d'accord. Vas-y. Voilà, donc cette première période de soft launch qui durera, alors on ne sait pas exactement combien de temps précisément, mais ce sera grosso modo un mois après le lancement. Viendra après un launch qui sera beaucoup plus poussé avec du marketing agressif et qui activeront justement ses partenaires à l'international et qui feront venir beaucoup de monde, mais on sera beaucoup plus confiant sur le fait qu'il n'y aura aucun problème quand toutes ces nouvelles personnes vont arriver sur l'écosystème. Voilà. Très bien. Merci pour tout ça. Du coup, donc on a fait un peu le tour, on a évoqué fonctionnellement comment ça allait se passer, où on a été au niveau des tests, des développements, quand est-ce que ça va être déployé. Donc rendez-vous le mois prochain. Alors on ne donne pas une date exacte parce que je vous dis, on a quelques vérifications et on va certainement pas, on préfère sacrifier deux jours que pour régler un problème ou pour rendre quelque chose de plus accessible à l'utilisateur, des choses comme ça, plutôt que respecter une date ferme à l'heure près. Mais en tout cas, on est clairement sur la fin. Donc, ça ne sera pas, j'ai vu une question, ça va être la première question à laquelle je réponds. Non, ça ne sera pas avril 2025. Voilà. Donc, on va passer aux questions-réponses, mais avant de passer sur cette période-là, il faut savoir, donc, au mois d'avril, le 11 avril, comme... tu n'avais pas dit la date, je ne sais plus. Bon, bref, le 11 avril. Non, je l'ai pas dit. Donc, on va le dire avant les questions-réponses. Le 11 avril, il y aura un autre AMA avec Sébastien Dupont, qui est le CEO et cofondateur d'Arkitik, qui parlera... de beaucoup de questions que vous vous posez, mais auxquelles on ne répondra pas ce soir, parce que je sais qu'on a voulu centraliser sur la partie DeFi, mais il pourra répondre aux questions plus générales. Donc, notez dans vos agendas le 11 avril prochain. Je n'ai pas encore l'horaire, mais on verra, c'est Alex qui s'occupera d'organiser tout ça. On passe aux questions, du coup ? Et à part je vois qu'il y avait déjà quelques questions. Alors, il y avait quelques questions qui demandaient si la pool sera en 50-50 pour le DEX. Alors, effectivement, oui, ça se base sur le modèle d'Uniswap V2. Donc, c'est un ajout de liquidité en 50-50. C'est classique, hein, on va dire, sur tous les modèles d'Uniswap V2. Je suis un peu jaloux. Tu as beaucoup de fans, hein, surtout un d'ailleurs, hein, qui sont en train de parcourir. Mais... ouais. Donc, Nélix et Julien, c'est effectivement la même personne, et heureusement, parce que deux comme lui, ça serait compliqué. Bon, la question en anglais, ça, du coup, bon, je laisse Alex répondre dans le chat. Ouais. Pour... effectivement, ça sera sous-titré, cette vidéo. Là, j'en ai chopé une. Une question, c'était, on parle beaucoup d'interopérabilité. Comment se positionne Arkitik? Alors effectivement, l'interopérabilité, c'est un enjeu qui est crucial aujourd'hui. Et comment on s'intègre, nous, au niveau de l'interopérabilité? Le bridge, par exemple, on l'a développé avec sur le modèle de l'Atomic Swap, qui ne nécessite aucun intermédiaire. C'est-à-dire que la plupart des bridges, va souvent y avoir un intermédiaire entre les deux blockchains, que ce soit, par exemple, Axelar, qui est une blockchain qui est dédiée à faire finalement transiter des assets ou des messages entre d'autres blockchains. Nous, ce n'est pas le cas. Et comment on a réussi à faire ça? C'est qu'en fait, dans les smart contracts d'Arkitik, on a intégré directement la possibilité de faire des requêtes HTTP, donc en fait, d'envoyer des informations à travers Internet à d'autres blockchains avec des outils qui permettent de communiquer avec les blockchains EVM, qui sont les blockchains, on va dire, principalement utilisées aujourd'hui. Et donc, en fait, on peut directement, à travers un smart contract sur Arkitik, communiquer avec un smart contract sur Ethereum. Et c'est ce qui nous permet, du coup, d'avoir une interopérabilité. Pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement de nos idées, mais ça va continuer à évoluer pour que finalement, il n'y ait plus de différence entre est-ce qu'on utilise Arkitik, notre blockchain ou pas. Ce sera fluide et limpide.
Je vois une question sur les JO, ça, Steve, je t'invite à contacter nos modérateurs, ils ont la réponse, c'est disponible sur Twitter, sur Telegram, toutes ces questions-là, c'est générique, mais on y a répondu pas mal de fois, donc je laisserai Alex y répondre, peut-être dans le chat directement. Quand est-ce qu'on peut miner des Yuko? Ça sera aussi évoqué plus tard, c'est pas le sujet. Oui, la sécurité des données pour les JO, ça sera, il y a déjà une réponse qui a été évoquée, on ne va pas revenir dessus. Développement de la biométrie, c'est une question qui revient souvent. Pareil, ce sera répondu dans l'AMA du coup du 11 avril. Effectivement, ce sera un AMA qui sera tourné plus vers... les sujets seront le futur d'Arketic et un petit peu toutes les questions organisationnelles en rapport avec Arketic. Je vais prendre la question sur les audits. Alors, en termes d'audit, sur les smart contrats, on a fait un audit des smart contrats EVM, Solidity. On en a fait un premier avec CredShields il y a quelques temps maintenant, ce qui nous a permis d'optimiser notre code, de vérifier des choses, de baisser aussi les frais. Donc ça, il y a eu une première phase qui a été faite. Après, on a rencontré des acteurs plus gros, pour pouvoir faire les audits, mais pour que ça soit pertinent, un audit, il faut que ça soit testé de bout en bout. Si on teste qu'un bout, que les smart contrats côté Ethereum ou que Arketic, dans le cas du bridge, ça n'a pas de pertinence. Et c'est là où on tombe, on reste quand même une blockchain assez jeune, le langage smart contrat est assez jeune, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs qui, on va dire, sont certifiés pour avoir là tout de suite, en tout cas, pour faire un bon audit. Donc, les meilleurs auditeurs, ce sont les équipes internes et qui vérifient systématiquement. On a un système de validation de chaque développeur par le reste de l'équipe de tout ce qui est produit. Donc, l'avantage, c'est que ça prend du temps, mais l'avantage, c'est qu'on ressort avec pas mal de qualité. Donc, du coup, voilà, on est vraiment… Ça prend un peu de temps, mais on est en contact pour avoir un audit global et des acteurs qui donc s'approprient aussi notre technologie et notre langage de smart contract. Donc pour l'instant, voilà ce que je peux dire sur la partie audit. J'espère que Kevin, ça répond à ta question. Pourquoi Yuko ne figure pas dans la liste Big Exchange? Tu n'as pas répondu ça tout à l'heure? Je ne sais plus si... Je ne sais pas, je ne connais pas cette liste. Pour le coup. En tout cas, globalement, c'est ce qu'on disait, c'est que de toute façon, sur les échanges centralisés, le truc, c'est qu'il faut effectivement du volume et de la liquidité. C'est pour ça aussi qu'on met les outils qu'on vous a décrits ce soir en place. C'est pour justement aller chercher ces objectifs-là. Question de Jean-Jacques Perrouzi. Quelle durée pour déstacker? La réponse est simple, c'est qu'il n'y en a pas. Le smart contract donc de farming, on l'a développé pour que les rewards soient calculés en fait à la seconde. C'est-à-dire que si vous rentrez, vous déposez vos LP tokens, vous restez une minute et vous sortez, et ben vous aurez les rewards qui correspondent à une minute de farming. Et si vous restez 10 secondes, ben ce sera 10 secondes. Alors effectivement, ce sera sûrement pas grand-chose, mais c'est calculé à la seconde. Donc il n'y a pas de délai pour déstacker vos LP tokens. Vous évoquez, alors moi je vais basculer, je vais en parler parce que c'est la partie tech, sur les dApps externes prévues sur la blockchain. Alors aujourd'hui, tout est open source, la blockchain est publique, tout est disponible, donc du coup, c'est pas n'importe qui peut développer sur la blockchain. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quantifier le nombre de dApps externes développés sur notre blockchain. Cependant, une fois qu'on a passé cette étape du bridge et du DEX, on a un vrai sujet de travail pour embarquer des développeurs supplémentaires dans l'écosystème, pour pouvoir promouvoir notre technologie et nos avantages liés à notre technologie et l'écosystème. Donc là, c'est vraiment l'étape d'après, c'est travailler sur cette partie-là. On donne un exemple, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui nous a montré une DApp qu'il a fait, qui est dans le chat, hein, j'ai vu Manouge, qui permet de générer à partir de l'IA une image et directement faire un NFT qu'on met directement sur la blockchain. Et donc, il a fait cette petite DApp qui est sympa parce que ça offre quelque chose, une petite fonctionnalité supplémentaire à l'écosystème. Et il y a différentes choses qui peuvent être développées soit par des développeurs unitairement ou soit par des entreprises, des partenaires.
En ce moment, là, en termes d'actualité, on entend pas mal parler du jumeau numérique avec Toin, par exemple. Donc, voilà, on ne sait pas le quantifier. Je ne vais pas vous dire qu'il y a 10 000 DApps qui vont arriver dans un mois. Ce n'est pas non plus le sujet. Mais en tout cas, on n'a pas forcément connaissance de tous ceux qui travaillent sur l'écosystème. On a des développeurs qui nous contactent des fois, qui posent des questions et tout. Donc, on imagine qu'ils ne font pas, en tout cas, qu'ils ne créent pas rien. Donc, on essaye d'y répondre, que ce soit en direct ou sur, il faut savoir, sur Discord, on a un channel orienté développeurs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Soit on y répondra, soit justement, ces nouveaux développeurs pourront y répondre aussi. Je ne sais pas si tu veux compléter, Julien, sur cette partie-là ou si c'est bon pour toi. Pour l'instant, ça va. OK. Question aussi sur CoinMarketCap qui affiche toujours 10 milliards de Yuko en total supply alors qu'effectivement on est passé à 1 milliard. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CoinMarketCap se base sur les smart contracts qui ont été développés sur Ethereum avant que la supply soit complètement en vue. Et donc du coup, dans les smart contracts, c'est vrai de dire qu'il y a 10 milliards de tokens, mais il y en a 9 milliards qui ne sont plus utilisables, soit qui sont bloqués, soit qui ont été burn. Mais ce n'est pas invalide de dire qu'il y a 10 milliards. Là où en fait CoinMarketCap vont se mettre à jour, c'est que une fois que le bridge sera lancé, CoinMarketCap, on va les contacter pour que la source de vérité ne soit plus la blockchain Ethereum où le token avait été créé à l'origine, mais ce soit la blockchain Arketic directement. Et effectivement, sur la blockchain Arketic, on est bien à 1 milliard. Et quand ce basculement sera fait, on n'aura plus de problème de market cap qui est invalide. Je vois aussi que ça voulait dire nouveau token. C'est pas forcément le cas. C'est une discussion qui est en cours de réflexion en interne, parce qu'effectivement le token Yuko aujourd'hui sur les blockchains EVM ne reflète plus vraiment la réalité. Déjà, il s'appelle encore Uniris, alors que le token maintenant est associé à la blockchain Arketic et non plus à Uniris qui était l'entreprise à l'origine. Donc il y aura peut-être un nouveau token ou peut-être pas. On verra à la fin de nos discussions. Je rebondis moi sur la partie, la question de Luc. Vous trouvez la roadmap sur le site? Bon, Alex a mis le lien effectivement, mais c'est une roadmap. On est passé de l'ancien site avec une roadmap très détaillée où on décrivait les AIP sur lesquels on a travaillé, tous les livrables, l'écosystème, ce qui allait changer, etc. Quelque chose de beaucoup plus générique. Beaucoup moins précis. Alors pourquoi? Alors je peux comprendre la question qui est liée à la confiance pour embarquer des devs par rapport à l'arrivée de telle ou telle brique, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelque part, on est sur un environnement, un écosystème qui bouge beaucoup. Et si on n'est pas agile et qu'on ne sait pas justement changer notre feuille de route ou s'adapter au contexte, etc., en fait, c'est pas bon. Donc, on a toujours la culture de l'entreprise, on a toujours notre vision de mettre par rapport au Web 3, de mettre le Web 2 sur le Web 3. Mais voilà, des fois, le chemin n'est pas tout à fait celui qu'on pensait prendre il y a 6 mois, 8 mois, etc. Et on a aussi remarqué quelque part, c'est que souvent, les gens qui ne sont pas forcément liés à l'édition logicielle ou qui n'ont pas cette connaissance-là et qui ont d'autres activités plus que celle-là, si effectivement, il y a 9 mois, ils lisent que le 27 mars, on va livrer un module qui fait un truc en détail, et ben, ils vont venir taper à notre porte le 27 en disant ben, « il y a 9 mois, vous l'avez dit ». Alors oui, mais en 9 mois, on l'a peut-être déjà sorti, on a peut-être dit que ce n'était pas forcément l'urgence. Voilà, on essaie de s'adapter au mieux pour résoudre le plus de problèmes possible et pour que justement la pérennité de ce qu'on veut mettre en place enfin, reste le plus, je vais le dire même, je vais peut-être faire une phrase française plutôt, d'essayer de garder le cap, mais le chemin peut être un peu différent. Donc après, je comprends que vous pouvez être frustré de ne plus avoir une roadmap très, 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 très trop détaillée. Mais on reste toujours dans l'objectif principal. Voilà. Donc après, ça peut être une réponse vue comme une réponse de Normand, mais je ne le suis pas. Du coup, voilà. Alors, il y a la question de Kevin, sur la partie, mais on en avait déjà parlé lors du bridge, la présentation du bridge, là, la question de 21h41, Julien, sur si on se fait hacker le bridge. Est-ce qu'il y a une stratégie? Ouais. Alors en fait, on avait déjà effectivement expliqué ce que c'était le safety module dans un ancien live. En fait,
partir du principe qu'on ne se fera jamais hacker, c'est une mauvaise décision, parce que c'est un risque qui est là, et donc on doit le prendre en compte. C'est pour ça qu'on a designé ce qu'on appelle le safety module sur la partie EVM, donc Ethereum, Polygon, BSC, et d'autres potentiellement dans le futur, où en fait c'est une réserve du même token que la pool. S'il y a par exemple une pool d'Ethereum, on a un safety module qui contiendra des Ethers, qui permet de, en cas de problème, utiliser ce safety module pour réalimenter la pool ou corriger en tout cas le hack qui a pu y avoir. Sachant que les pools ne peuvent détenir un montant d'Ether qui ne peut pas être supérieur à ce qu'il y a dans le safety module. Et comment on fait pour faire grandir tout ça? C'est un fee qui va être prélevé lorsque l'on va faire des swaps d'une blockchain EVM vers Arketic, où ce fee va remplir finalement le safety module. Et donc, plus il y aura de volume d'échange sur le bridge, plus le safety module va grandir, plus les pools vont pouvoir grandir et, entre guillemets, permettre d'avoir une porte de sortie au cas où un hack serait présent. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, on ne lancera qu'un seul token, parce que si on lancerait 10 000 tokens d'un coup sur le bridge, il faudrait 10 000 safety modules qui soient associés à ces tokens-là, ce qui est aujourd'hui pas possible d'avoir dès le début. Ok, on arrive à la fin de ce live, parce que je pense que c'est difficilement digeste pour ceux qui veulent le revoir, etc. Je vois qu'il y a des différentes questions qui arrivent encore, donc... sur les réseaux, vous pouvez obtenir les réponses, et puis on regardera aussi, on en reparlera. Donc rendez-vous le 11 avril avec Sébastien. Voilà, on pourra répondre aux autres questions plus génériques ou celles qu'on aurait ratées. On pourra y répondre lors de cet AMA ou bien sur les réseaux Telegram, Discord et puis YouTube si vous voulez revoir des informations. La plupart des vidéos restent vraies, donc c'est toujours intéressant de regarder ce qui a été dit à l'époque. En tout cas, merci à vous tous pour votre participation, merci Alex pour la réalisation, merci Julien pour toutes les informations importantes que tu as pu nous délivrer, et puis on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, ouais. Salut, bonne soirée. Bye. Ciao.